Go. Salut tout le monde, j'espère que vous êtes tous très bien. Ici Ori, aujourd'hui, on va faire une petite découverte qui vient d'arriver sur la plateforme streaming qu'on connaît tous en streaming, c'est Netflix. Eh bien, ça se nomme Romantic Killer. On va voir ce que ça va donner. On va voir le premier EP et on va voir ce que ça donne. Et en plus, il y a la VF, ça c'est génial. Génial, il est arrivé. C'est ce que j'ai de plus précieux, là, à l'intérieur de ce carton. Depuis la primaire, je passe mon temps à jouer à des jeux vidéo avec des garçons. Ok. Quand j'étais au collège, en dessous, tu viens faire un karaoké. Je trouvais ça plus important de courir après le Big Boss qu'après les garçons. Bon, ça c'est Julie, ça. Hein. Ah, bah oui, bah il y a un chat, bah oui, bah bien sûr. Qu'est-ce qui a basculé? Waouh. C'est Ichigo le mec. D'accord, opening, je suppose. Bon, bien sûr, l'opening, hein, vous l'aurez pas. Je vais baisser le son. C'est embêtant. Mais ce qui est bien, c'est que. Vous savez ce que je vais faire? C'est que vous aurez une version donc non censurée. Donc là, vous aurez la version avec le filtre, tout ça et tout le tralala. Que vous connaissez, hein. Vous connaissez un peu YouTube, comment ça marche. Mais. Vous aurez une version non censurée avec ma tête en tout petit, sans le filtre et avec le son direct. Voilà, au moins vous êtes au courant. Parce que c'est sûr que, comme vous le savez, avec YouTube, on a tellement d'interdictions qu'on ne sait même plus où se mettre. J'aime beaucoup l'aspect des personnages. Et n'hésitez pas, si vous voulez aller voir la chaîne de ma chérie, elle sera en commentaire épinglé et description. Il y a des vidéos aussi, des lives qui vont arriver, pas mal de choses. J'espère vraiment que ça vous fera plaisir. En vrai, j'essaye de me démarquer avec des nouvelles choses qui arrivent sur les différentes plateformes. Mais c'est compliqué parce que j'aimerais me démarquer et avoir vraiment une communauté, mais c'est compliqué. Ok, ok. Commencez à jouer. D'accord. Oh, le jeu PS1, le truc. Vous aurez le P juste ici. Ou alors, je sais pas, ici, je sais pas. Je sais pas en vrai qu'est-ce qui vous tente le mieux. Après, en vrai, quand vous regardez une vidéo, c'est vrai que... Bon, après, c'est la même chose. Parce que quand vous avez, admettons, un YouTuber qui fait un let's play, bah sa tête, elle est en tout petit. Et le film, je ne sais plus parler, elle est directement, vous avez le gameplay. Attends, c'est quoi ça?
Bon oui, bien sûr. C'est quoi ce cliché? La RT5, c'est un. Au lieu de mettre Play PlayStation 5, ils ont mis la RT5. Il y avait quoi la patate? Oh, elle est pas contente! Elle est pas contente. Ça, la vidéo, je vous la sors directement et puis voilà. On essaye de se démarquer, c'est compliqué. Oh, doucement, toi. Waouh, mais c'est une patate. J'espère que ça vous fera plaisir. Enfin, j'essaye de démarquer, mais c'est compliqué. C'est très compliqué de se démarquer. Vous n'allez pas me dire que mon pseudo est nul. Vas-y, vous m'appelez Ori dans l'espace commentaire, c'est stylé. Hein? Ah. Rentre. Il y a un peu de chocolat, j'avoue. En tout cas, l'animation et le character design et le dessin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la VF. Oh, ça va, Minou, tu vas te calmer, hein. Voilà, après je vous ferai des lives, je vous ferai pas mal de choses. Je vais essayer vraiment de faire des trucs divers et variés, mais c'est compliqué. J'essaye vraiment de me refaire une communauté. Il y en a beaucoup qui me connaissent sous un ensemble pseudo. Mais c'est compliqué, mais faut être patient aussi, c'est ça aussi. Faut être très patient, mais ça me fait bizarre parce que bon après il y en a beaucoup qui pourraient dire ouais mais c'est déjà pas mal, t'as déjà 20, 26 abonnés. Ouais mais bon, en un mois j'ai déjà fait beaucoup plus et voilà, ça me fait. C'est bizarre quoi. On va compter sur une patate pour s'occuper d'avoir une relation amoureuse. Non mais on aura tout vu. J'avais oublié, toi t'es derrière toi. C'est une parodie de Bépara Magique.
Oh. Ah donc du coup là les parents ils vont ils vont aller aux États-Unis, leur fille, ils vont la laisser ici juste parce qu'elle a les cours. Bon, pas d'un autre côté, c'est vrai. J'aime beaucoup le style d'animation qu'ils ont fait. Enfin, pas que l'animation, j'ai pas les termes exacts pour. En fait. Le style graphique, le style de dessin, les caractères design des personnages, les ombrages, les couleurs, enfin voilà, s'il y a des termes spécifiques que je ne sais pas, j'aimerais bien à connaître, si je connais pas tout. Oh! Attends, 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 attends. Un monde sans chocolat. Qu'est-ce qu'elle dirait ma femme s'il y aurait plus de chocolat dans ce monde? Ouais, ça va, on est bientôt à la fin. J'ai entendu mon nez, c'est normal? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est l'animé. Et en fait, en gros, il y a un bonhomme magique, une patate. Il a enlevé tout ce que les trois choses qu'elle aimait, et c'est le chocolat. Et là, du coup, tout chocolat, il n'y en a plus. Donc j'ai dit, du coup, ma femme, qu'est-ce qu'elle dirait si elle avait plus du tout de chocolat? Donc qu'est-ce que je fais? Déjà que j'ai pas eu mon bisou d'avant tournage. T'étais en haut! Oui, mais t'avais qu'à demander le bisou. Oui, bah, le bisou. Je m'en fous, voilà. Tu veux. Elle a eu son bisou. On a Ichigo! Non, je rigole, faut arrêter. C'est pas parce que je vois un mec qui a les cheveux orange que c'est Ichigo. Ah, elle est en train de bégayer. Oh! J'aime trop la VF! Trop stylé!
Elle est pas contente. J'avoue, c'est pas de la magie. Ah, de nouveau le beau gosse. Oh punaise. Ça s'appelle Tsukasa, mais c'est trop stylé! Mais du coup, comment elle s'appelle, elle? Bah, j'ai oublié, du coup, bah, j'ai même pas entendu en fait. Tsukasa, attends, Tsukasa, ça me dit quelque chose dans un animé, le nom. Mais je sais plus dans quoi j'ai entendu. Forcément, elle va pas la prendre. Elle va pas le prendre. Elle en a rien à foutre de ta lettre. T'as qu'à la prendre, toi. Oh non, elle, c'est la bimbo de service. Tout cas ça, dans le caractère de ce personnage, il me fait penser à un mec qui est dans Blue Lock. Je sais pas vous, mais... Ah mais son téléphone, il est cassé à cause de lui! Cafétéria. Donc là, ils sont au lycée, ok? Bon, je sais pas en quoi il consiste, un anime, mais bon, Romantic Killer, pour moi, en plus, c'est moins de 13 ans, de ce que j'ai compris, donc on va voir ce que ça va donner. Si ça vous plaît, on continue, sinon, bah, je le ferai de mon côté. Ah, ils ont parlé en même temps, bah voilà, elle a bugué, bah voilà, bah voilà. Elle a bugué, elle a bugué. J'aime beaucoup l'ombrage. Oh punaise, la jalousie, ça va commencer. Oh là 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 là.
Non mais... Donc elle a plus son chat, elle a plus de chocolat et elle a plus de jeux vidéo. Eh bah putain, ça fait beaucoup quand même. Mais quoi, mais... Ils font des refs à Jojo, c'est pas possible. C'est abusé. Elle est partie en croque, elle est partie en sandales. Non mais pas ici, mais t'es bête. Bah t'as abrité dans un truc plus confortable, entre guillemets. Ah, c'est mis en dessous du truc. Forcément, il y a le beau gosse, Tsukasa, qui arrive. Au bon moment, avec un parapluie. Anzu, ok. Bah, on va voir pour le prochain EP, hein. Moi, personnellement, bon, c'est marrant. Moi, bon, j'aime bien quand même quand il y a de l'action, pas se mentir. Pourquoi pas, hein? J'ai déjà été surpris, mais là c'est pas vraiment le même thème, hein, mais j'avais été surpris par Dr. Stone, il n'y avait pas beaucoup d'action, mais au final c'était très intéressant. Mais pourquoi pas, Romantic Killer, voilà, on a l'OP numéro 1, on verra peut-être l'OP numéro 2 si vous êtes intéressé, et puis voilà. Allez, moi je vous dis, c'est Théorie, n'oubliez pas, longue vie à tous les autres univers d'anime, puis moi je vous dis, c'est Théorie. Tchuss!